Nous sommes mercredi. Direction le stage. Voilà, faut que je me dépêche un peu parce qu'en fait je suis pas spécialement en avant, je suis pas en retard, mais en fait il faut que j'arrive. Je prends à 6h40, mais il faut que j'arrive avant l'heure quoi. Donc du coup, let's go. Heureusement, cette heure-là, il y a personne sur les routes. Et puis ce soir, je vais voir la Lilette. Enfin ce soir. En rentrant quoi. Hello, journée terminée. Donc là, je viens d'arriver chez mes parents. Voir la psy, c'est une surprise, elle sait pas que je viens. Il y a même un colis pour moi. Nous aussi, papa. Wow. Mais il est trop beau le ciel. Je commence. Il est où, petit César? Ah, il dort. Moi, je commence là. Pour faire quoi? Parce que je l'adore. T'étouffes? Ouais. Allez, arrête de jouer. Bon, tu viens? Tu viens? Ah, t'es trop petite. Bon, toi, tu joues, s'il te plaît. On voit que ma tête. Non, les gars, je suis avec Lilette. Où es-tu? Là. Oh. Et nous venons d'arriver dans la salle, du coup j'étais donc chez mes parents et je pose la Lilette là, on va sortir, je vais l'accompagner à la danse. Et ensuite moi je rentre à ma maison, voilà. Ah, sors petit. Je viens de rentrer, oula, oulala. Normalement le mercredi je m'en vais à 14h, mais là du coup j'avais pas pu. Il est pas du tout monté rien, donc je vais le monter et le mettre ce soir, donc je vais voir à quelle heure je finis de le monter tout ça, mais là j'ai... mal à la tête en plus. J'ai plus que deux médicaments sur la plaquette que j'avais emmené aujourd'hui. Du coup j'en ai pris deux dans la matinée déjà. Enfin j'en ai pris un avant de partir vers 6h. J'en ai repris un dans la matinée. Du coup j'en avais plus, mais bon, ça soulage pas plus que ça je trouve. Donc là je vais en prendre un maintenant je pense. Enfin je vais en prendre peut-être deux au repas. Enfin deux maintenant. Comme ça au moins je sais qu'ils sont pas trop tard avec la caféine, ça gênera pas pour dormir. Sinon je voulais vous montrer du coup il y avait deux colis chez mes parents. Alors en fait j'ai reçu un colis de Undies, donc le Crazy Pack Undies X Sephora, Undies et Sephora. Donc ils font des petits packs comme ça. Mais bref, et du coup dedans donc il y avait donc, un produit Sephora et un produit Undies. Donc un masque cheveux pour la nuit au karité. Ça je pense que je vais tester genre vendredi soir. Pourquoi pas, enfin je vais voir quand je le fais. Donc du coup masque nuit karité. Donc vous avez la Charlotte et le masque crème en fait. C'est trop bien avec la petite Charlotte avec, c'est trop cool je trouve. Bon il y a moyen que de la nuit elle s'enlève. Donc c'est le masque fortifiant anti-casse. Donc c'est bien. C'est pas un masque que nourrissant et tout parce que mes cheveux regressent assez vite. Et avec le produit Sephora et avec le produit Undies qui peluche un peu. Je pense qu'il faut que je le secoue un coup, je ne sais quoi. C'est un sweet. Comme ça, en tout doux, avec écrit Unicorn Squad. Déjà, il est super doux, il est trop beau. Bon, du coup, comme je l'ai dit, il y a des peluches. Et regardez-moi la capuche, quoi. Et genre, derrière, c'est genre multicolore. Je le trouve trop cool. Et je vais être trop bien dedans. Je sais pas du tout, ils me l'ont envoyé en quelle taille, en S. Je vais vous dire le prix, mais il y a pas. Ils ont coupé. Et non, mais même l'étiquette, elle a des petites ailes. Je sais pas si vous allez voir en argenté, bref. Trop chou. Je vais vous poser plus bas. Je vous pose plus bas parce que j'étais pas très bien installée. Et ensuite j'ai une glossy box. Donc déjà, je sais pas si vous allez voir. Le packaging est trop beau. C'est en relief avec le petit doré là. Et elle s'ouvre comme ça. Par contre du coup il n'y avait pas de petit livret je crois. Il me semble que, je sais pas si c'est celle de Noël du coup. Je n'ai pas le petit livret, il me semble pas l'avoir vu. Enfin qui dit c'est quelle box etc. Mais il me semble que c'est celle spéciale. Donc dedans, pigment color cosmétique air base. Donc crème blush palette. Au début je pensais que c'était des rouges à lèvres. Mais non pas du tout, comme ceci. Et donc vous avez des petits blushs. Donc en forme de crème. Moi c'est pas du tout le style de produit que j'adore. Ensuite un pinceau, Lily a voulu que je lui donne, mais je lui ai dit qu'il fallait d'abord que j'ouvre la box en vidéo. Genre il est tout doré comme ça et ici il y a des paillettes.
Voilà, il est super doux. Ensuite, je suppose que c'est un mascara, mais en fait, je crois pas que c'est écrit. Ah si, Greater Than Mascara. Mais du coup, j'ai rien qui explique. Donc c'est la marque MDM Flow, je suppose, et il est doré comme ça. Ensuite, un complexe d'antioxydants 30 ml. Pareil, là, c'est écrit en anglais, du coup, je pourrais pas trop vous dire exactement. Bref, c'est pour le visage. C'est la marque You and Oil. Et ensuite, on a un rouge à lèvres de la marque, je sais pas trop c'est quoi cette marque, 3INA, ou 3INA, et c'est The Longwear Lipstick, et en gros c'est à peu près la couleur de ça. Je vais vous montrer, j'ai testé sur la main de Lily, elle a voulu l'enlever avec un mouchoir, ça tenait trop bien. En gros, elle est nacrée, on voit pas super bien, j'ai l'impression que ça rend moins bien en caméra, mais la couleur est magnifique je trouve. J'ai jamais testé ce genre de couleur sur les lèvres, mais en tout cas elle est trop belle. Mais bon, vous voyez, je frotte hein, mais ça tient plutôt bien. Et du coup tous les petits trucs comme ça étaient en doré, c'est trop beau. L'intérieur de la boîte, genre ça fait un espèce de miroir, bon pas un vrai miroir, mais en doré comme ça c'est trop beau. Et donc le dernier produit c'est la marque 417 là, j'ai déjà eu plein de produits de leur marque et là c'est un masque de boue capillaire régénérant. J'ai jamais fait de masque de boue pour les cheveux moi. Enrichi en huile de pépins de raisin, d'avocat, de germes de blé, d'amande, contient de la boue, de la mère mort, du beurre de karité et du jojoba, apportant hydratation, souplesse et protection au cuir chevelu et aux cheveux. Il est également enrichi en ingrédients antioxydants comme les vitamines A, B, E, F qui favorisent la régénérescence des cellules cutanées et du cheveu. Massez le cuir chevelu pendant une minute avec le masque. Patienter 5 minutes environ, rincer soigneusement à l'eau tiède. Donc je pense que ça je vais tester, c'est plutôt cool. Je mets pas trop de masque genre sur mes, genre mes longueurs, tout ça, j'en mets en fait quasiment jamais. Oh là, je me lave mes cheveux et puis c'est bon. C'est rare que j'en fasse, j'en fais de temps en temps. Mais du coup ça c'est plutôt cool. Voilà, pour purifier un petit peu le cuir chevelu sans non plus l'agresser. Yo, on est jeudi. Ça passe trop vite. Du coup, direction le stage. J'ai eu un peu du mal ce matin, enfin j'étais pas du tout en forme pourtant hier soir. En fait j'ai pas réussi à manger, j'avais mal au ventre et tout. Puis on regardait la télé du coup, avec les migraines ça me donnait genre la nausée. Du coup j'ai quasiment rien mangé hier soir, du coup je suis allée me coucher à 21h. Et ce matin j'ai eu trop du mal à finir mon bol cake, je me suis un peu forcée parce qu'il faut quand même que j'ai quelque chose dans le ventre. Mais si je n'écoutais que mon ventre, j'aurais rien pris. Yo, je viens d'arriver dans mon petit garage. Non mais je me fais klaxonner parce qu'il y a... quelqu'un qui attendait que je rentre dans mon garage, qui était derrière moi quoi, me klaxonne, la porte est ouverte à moitié, tu peux toujours me klaxonner, ma voiture elle, je passe pas quoi, non c'est pas possible. Bref les gens sont un peu fous. Sinon j'ai appelé pour un ostéopathe dans un cabinet où, enfin le cabinet qui est juste en fait en dessous du cabinet de mon médecin. Elle me dit oui donc j'ai des rendez-vous mi-décembre ou sinon, non début décembre ou sinon ce sera mi-février. Comment vous dire qu'on est le 16 novembre et que ça va pas. Donc il faut que je vois maintenant. Donc j'étais en train de rechercher un autre. C'est un petit peu relou cette histoire parce que ça m'empêche de faire plein de choses. Genre je voudrais bien aller à la salle et tout mais enfin, je me sens pas au top et c'est chiant quoi. J'aime pas du tout. Parce que moi j'aime bien bouger, faire plein de trucs. J'aime pas me poser pour essayer de dormir ou faire la sieste quoi. Donc bon voilà. J'espère que ça ira mieux. Enfin qu'on trouvera autre chose qui marche quoi. Mais bon, c'est-à-dire que j'y retourne que lundi. Et lundi, j'ai pas radio. Du coup, je sais pas si je prends genre le rendez-vous chez le médecin avant ou après, j'en sais rien. Parce que je sais pas combien de temps ça va durer la radio, si jamais il y a du retard. Du coup, il va peut-être mieux prendre avant. Toujours plus de pubs, j'en ai marre. Donc je retrouve un petit truc stop pub, mais je sais pas où ça se trouve là, chez les genres d'autocollants. Oh, est-ce que c'est un nouveau collier que je vois par ici? Et c'est un truc plutôt cool, je crois bien. Et c'est un truc que j'attends depuis, je vais regarder sur mon téléphone. C'est un truc en rapport avec YouTube et normalement on reçoit une notification de YouTube pour le commander. Enfin, pour commander cette chose, sauf que moi j'avais reçu la notif, donc je l'ai commandé il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, pendant les grandes vacances je pense de cet été. Le reste c'est de la mousse, ça fait depuis octobre 2016
Et qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2016? En octobre 2016, j'ai eu 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et le voici. Le voici, le voilà. Un an plus tard, il serait peut-être temps. Donc nous avons une petite lettre de YouTube, hein, bien sûr, qui n'est pas du tout personnalisée. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et c'est cool du coup parce que c'est pas le même que sur ma chaîne principale, je vais vous montrer. Il est trop beau. Donc puisqu'ici je l'ai mis, donc je vais vous montrer la différence. C'est un peu haut quand même pour moi. Donc voilà, il est beaucoup plus gros. Par contre moi j'aime bien sur celui-là, c'est qu'il y a le YouTube en rouge, enfin le logo quoi. Mais sinon voilà, c'est écrit la même chose et il est quand même plus classe celui-là, le nouveau. Enfin il est plus gros quoi. Donc du coup bah je vais l'accrocher celui-là, je sais pas où je vais le mettre encore, peut-être là-haut, peut-être... Ou peut-être je vais le mettre à côté de celui-là, voilà. Mais en tout cas je suis trop contente. Et ça c'est grâce à vous, eh. Voilà, j'ai mis là-haut. Vendredi, dernier jour de la semaine et je pars légèrement en retard, enfin en retard. Je dirais qu'à cette heure-là j'arrive à l'heure normale, mais j'ai du mal à partir et être en avant, tout simplement parce que je cherchais un truc. Un livre, parce que j'ai commencé à chercher des trucs sur les traitements de psy hier. Et ce livre était où? Dans mon sac de stage, super. Ça y est, semaine terminée, enfin journée terminée, semaine terminée, tout ça quoi. Du coup, on rentre à la maison. Franchement, c'était cool. Bon, je viens d'aller chercher le courrier. Je vois qu'ils ont mis un avis de passage. Donc en fait, je vous avais déjà dit au début de la semaine, j'en ai eu un. J'avais pas eu le temps d'y aller, tout ça. Puis je m'étais dit aujourd'hui, oh, je vais peut-être y aller. Puis je suis pas allée parce que en fait, j'ai des rendez-vous, comme je vous l'avais dit, début de semaine prochaine. Et je me suis dit, quand je serai... Quand j'irai au rendez-vous, j'en profiterai pour y aller parce que ça ouvre super tôt, je crois. Enfin, 8h-20h, quoi. Du lundi au vendredi. Et là je vois que j'en ai un deuxième, donc heureusement que j'y suis pas allée parce que je pense que si j'y étais allée pour l'autre et qu'en rentrant je vois ça, je pense que j'aurais pas été très contente. Bon, là pour l'instant ça va à peu près, enfin j'ai mal à la tête mais il y a pire, du coup j'aimerais bien faire un petit peu de rangement avant que ça aille moins bien. Je viens de remarquer que je vous ai pas montré un truc, c'est quand, je sais plus c'est quel jour, mardi je crois, ouais mardi, on est allé... faire quelques magasins avec mon copain parce qu'à la base on voulait racheter une poubelle mais on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, ou alors ce qu'on voulait c'était trop cher. Et je suis repassée à Emma pour acheter, je vais vous montrer, je vous ai déjà montré là où je mets mes flocons d'avoine. J'ai des bocaux en verre avec des bouchons en bois et je voulais en racheter, du coup j'en ai pris des à peine plus petits. Ceux que j'avais déjà d'avant ils coûtaient 7,50 et là j'ai pris ceux à 6€ qui sont à peine plus petits. Franchement la contenance ça change pas grand chose. Donc voilà, moi j'avais déjà ces deux là, donc vous voyez que par rapport à l'autre il n'y a pas énormément de différence. Donc là c'est farine d'avoine, là c'est la farine normale, flocons d'avoine, là du coup j'ai mis des noix, donc j'ai racheté celui là et puis trois autres, des amandes, donc j'attends une commande, My Protein pour des nouvelles amandes, noix de cajou et des noix du Brésil, et j'aimerais bien en racheter d'autres pour mettre d'autres choses. Donc en fait je vais peut-être... en racheter puis en mettre plein hein, comme ça, puis je noterai les noms dessus, je sais pas encore comment je vais faire. Donc voilà. Et j'aimerais bien pouvoir tourner des vidéos demain, j'espère que ça ira. Là faut que je fasse des photos Insta aussi, faudrait que je range un peu, enfin bref j'ai plein de trucs à faire. Il est 15h donc ça va encore un peu le temps. Et pour le stage faut que je corrige quelques trucs sur mes objectifs de stage pour les réajuster maintenant que j'ai fait une semaine. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose. Oui, plus faire des recherches, finir les fiches que j'ai commencé hier sur les médicaments qu'on retrouve en psychiatrie. Voilà. Bon, j'ai goûté, j'ai fait des petits trucs. J'ai pas du tout rangé dans le salon et il y en a bien besoin. Là, je suis en train de faire des photos Instagram. Il faut absolument... Là, j'ai retrouvé dans ma poche la clé parce qu'en fait, dans le service où je suis, donc en psychiatrie, tout est fermé à clé et on doit tout refermer derrière nous. Du coup, on a des clés. Et si je les oublie, je ne pourrai plus rentrer et ce sera problématique. Mais bref, du coup, comme je vous disais, j'étais en train de prendre des photos. Sauf que je sais pas si vous voyez ce petit objectif, ça, c'est il est minuscule. Bon, alors, il a une super qualité et en fait, il faut être assez loin. Du coup, j'ai ma petite photo ici. Sauf qu'il n'y a pas assez de recul. Bon, ça, c'est mes tenues sales qui sont dans un coin qu'il faut que je lave. Du coup en gros même en étant là-bas je peux pas avoir tout ça en entier. Du coup j'ai dû ouvrir la porte, me mettre dans le couloir pour faire ma photo, enfin bref.
les coulisses d'une photo Insta. Et encore, mes photos Insta sont assez simples parce que j'ai pas beaucoup d'accessoires et pas beaucoup de place. Mais j'aimerais bien m'acheter, je sais pas, des petites paillettes, des petits trucs de Noël. Enfin bref, faire des meilleures photos Instagram. Mais voilà, pas du tout la priorité. J'ai rangé pas mal de papiers. Ce classeur là, où il y a tous les papiers, des assurances, des machins, des bidules, enfin bref. Voilà voilà, j'ai encore pas mal de choses à faire. Là j'ai encore deux sur une photo à faire. Bon, je me suis mise dans le noir, je regarde les vidéos, enfin je regarde. Je fixe pas beaucoup l'écran, j'écoute surtout parce que quand je fixe trop loin des petits détails, ça me donne encore plus mal à la tête, ça me donne genre des nausées. Du coup là ça va bof, c'est-à-dire que la migraine s'étend dans la tête on va dire. Et ce qui est trop pratique c'est que du coup, vous voyez j'ai un clavier et une souris en Bluetooth du coup. Du coup c'est pratique, je les mets vers moi comme ça je peux passer les pubs des vidéos et tout ça. Et si vous voyez que c'est vert là-bas, c'est l'aquarium qui est allumé, mais vous voyez vachement plus vert parce que là l'appareil photo a du mal à s'adapter. Voilà, je sais pas si vous voyez ma tête, genre c'est assez lissé en fait. Parce que du coup bah, je suis dans le noir en fait. Il fait au mieux, voilà. Je sais plus à quelle heure mon copain finit, mais je sais qu'il finit pas à 19h30, il finit plutôt aujourd'hui. Peut-être 18h, donc voilà. Moi, je suis dans mon lit, va encore croire que je restais là toute l'après-midi, du coup c'est vrai que j'ai pas fait grand chose. Je vais à peu près bien, n'a pas duré longtemps, malheureusement. Voilà. Je ressemble à un surimi. Hello, nous sommes samedi, je suis levée depuis genre 8h30, j'ai dû me coucher hier, je pense il devait être 19h30. Bon, j'ai fait une petite pause pour manger, j'ai pas réussi à manger beaucoup. J'ai regardé des vidéos donc j'ai pas vraiment fait genre 13 heures de sommeil, mais j'étais au moins 13 heures posée à me reposer. Donc j'étais pas fatiguée ce matin, enfin voilà quoi. C'est juste qu'en fait c'est les migraines, ça m'assomme un peu, voilà. Donc là je vais tenter de manger donc un petit reste de part de pizza d'hier soir, j'ai pas très faim, avec de la salade, tomate, huile d'olive et vinaigre balsamique, voilà. Devant une petite vidéo, après j'aurai plein de choses à faire donc j'espère que ça va aller, pour l'instant ça va à peu près. Bon, il faut absolument que je m'habille, là je vais filmer des vidéos. En fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé tout un script pour une vidéo qui sera en rapport avec quelque chose que je trouve hyper important. Donc je vous en ai parlé sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur mon Insta c'est en barre d'infos. Et du coup là ça y est je vais filmer, j'ai une vidéo à filmer, celle que je filme là. En fait c'est parce que je dois l'envoyer en preview, c'est à dire avant qu'elle sorte lundi à une marque. Donc du coup voilà. Mais non, d'abord je vais filmer une autre vidéo qui n'est pas du tout en partenariat, et j'aimerais bien en filmer encore deux autres qui ne sont pas du tout en partenariat, je précise. Et je me suis dit qu'en fait j'allais tourner sûrement ici mes vidéos, genre comme ça. Là j'ai ma petite chaise, je m'assois là, bon faut que je range derrière absolument, et mon petit appareil photo est ici. Je pense que ça peut être cool. Voilà, par contre faut que j'ajoute mes éclairages parce que lumière est jaune ici. Mais je me suis dit en fait ça pouvait être bien de filmer là. Faut juste, voilà, comme j'ai dit, que j'arrange un peu derrière. Mais voyez voilà. Bon, j'étais en train de tourner ma vidéo, c'est pour ça que je suis à moitié maquillée, quand tout à coup plus de batterie. Et en fait c'est un truc avec deux batteries comme ça, sauf que j'en ai qu'une en plus. Donc j'en ai une qui est chargée, donc là l'autre elle charge. Et j'ai trop envie de flan comme ça là. Et c'est des trucs tout faits, t'as un sachet, t'as juste en fait à rajouter du lait. Du coup je vais me faire ça pour le goûter, voilà. C'est pas très très équilibré, mais en ce moment j'ai pas très faim, bah en fait je mange un peu ce que je veux. Bon, c'est super simple, j'ai mis 1,5 litre de lait. Du coup mon copain a presque plus de lait. J'ai préchauffé le four et ensuite il faut que je rajoute un sachet. Donc il faut que je rajoute le sachet, que je laisse bouillir. Donc je porte à ébullition, ensuite je laisse bouillir une minute tout en remuant. Ça devrait pas être bien compliqué, 25 minutes au four. Par contre ils mettent laisser refroidir le flan 2 heures avant de le servir. Non, pas 2 heures non. Si vous savez pas, les flans c'est toute ma vie. Ça sent tellement bon, et quand ma maman le faisait, moi ce que j'adore après c'est genre relécher la casserole, c'est trop bon. Franchement si vous voulez me faire un gâteau que vous savez pas quoi faire, un flan pâtissier c'est nickel. Par contre les flans comme ça au citron que je trouve dans les magasins, non. Et si vous voulez le faire maison, c'est encore mieux. Le voilà, je vais le mettre au four. Et le temps que je termine ma vidéo, je vais laisser ça refroidir, comme ça après je pourrai m'occuper de nettoyer ce petit plat. J'adore ça.